Salut tout le monde, c'est Alex pour ce nouveau tutoriel de composersamusique.fr, le premier site internet qui vous apprend à composer vos chansons note par note et pas à pas. Alors pour ce tutoriel, qu'est-ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui? Eh bien on va apprendre à utiliser le logiciel MuseScore. Donc MuseScore, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un logiciel qui va vous permettre de créer et d'éditer vos propres partitions. Donc c'est une question qui me revient assez souvent sur composer sa musique. Il y a beaucoup de monde qui me demande bah « Alex, comment tu fais toi pour écrire tes propres partitions ?» Eh bien la réponse, c'est simple, c'est grâce à MuseScore. Alors MuseScore, ce qui est génial avec ce logiciel, c'est que déjà il est super facile à prendre en main. En plus, il est facile de... Il est très complet, pardon. Donc il permet vraiment de générer des partitions très complètes. Et en plus, il est gratuit. Et ça, c'est vraiment un avantage considérable. Donc c'est vraiment une alternative parfaite à des logiciels comme Final ou des choses comme ça, puisque là, MuseScore est gratuit. Donc pour le télécharger, rien de plus simple. Vous vous rendez sur Google, vous tapez MuseScore et vous prenez le premier lien qui arrive. Puis ensuite, vous téléchargez sur votre ordinateur comme n'importe quel autre logiciel. Eh bien, ça y est, hein, on va commencer directement le tutoriel. On va pas perdre plus de temps que ça. Donc dans ce tutoriel-là, je vais vous apprendre à utiliser donc les principales fonctionnalités de MuseScore pour que vous aussi vous soyez capable de créer vos propres partitions. Alors en ouvrant MuseScore, voilà ce qu'on obtient, donc voilà la bête. Donc vous voyez ici un exemple. Donc je vous disais tout à l'heure que ça permettait de créer des partitions très complètes, donc là vous en avez la parfaite représentation. Puisque bah, vous voyez hein, cette partition elle est vraiment il y a vraiment tout hein. Il y a les liaisons, il y a les nuances, les clés, bref vraiment tout. Alors mais nous cet exemple là bien sûr il ne nous intéresse pas, nous ce qu'on veut c'est créer une partition vierge. Donc pour ce faire on clique sur fichier, nouveau et voilà la fenêtre qui arrive. Donc ça c'est entre guillemets la fenêtre de réglage. Donc on va la remplir hein, tout simplement, donc titre, moi je vais mettre exemple, vous mettez le titre de votre chanson, sous-titre si vous voulez rajouter un sous-titre, libre à vous, compositeur bah, Alex, parolier Alex, je fais tout, je fais aussi les paroles, je suis un fou, et copyright pour pas qu'on vole votre partition et pour que ce soit bien à vous, et bien vous mettez votre nom de groupe, moi je vais mettre composer sa musique. Créer une nouvelle partition vierge, parfait. Suivant. Alors là, on apparaît sur la fenêtre qui va nous aider et qui va nous permettre de choisir les instruments qui vont apparaître au sein de notre partition. Alors vous voyez que le choix il est très large, hein. Vous pouvez choisir tant des violons que des voix, que des guitares, que des percussions, donc vraiment tout. Alors pour choisir un instrument, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, admettons que je veux un piano. Donc, je vais sur Keyboards, je clique sur la petite flèche à côté. Je sélectionne piano et ensuite je clique sur ajouter et ça va se rajouter automatiquement dans ce menu de droite. Vous n'êtes pas limité à un seul instrument, vous pouvez également rajouter d'autres. Donc pour ce faire, bah, par exemple, si je veux une petite voix, allez, je vais sur Vocals, soyons fous, on choisit une voix. Je prends Voice, ajouter et vous voyez qu'il y a la voix qui se rajoute en dessous, etc. etc. Vous pouvez rajouter autant d'instruments que vous voulez. Alors là, vous voyez que les instruments, ils se rajoutent dans l'ordre dans lequel j'ai sélectionné. Mais si par exemple, vous voulez que votre voix se situe au-dessus de votre piano et pas en dessous au niveau de la partition, eh bien, vous cliquez sur Voice et ensuite, vous cliquez sur le bouton Monter ici. Et hop, vous voyez que ma voix va apparaître avant mon piano sur la partition. Et enfin, il y a un dernier menu ici. Donc, c'est celui que vous voyez ici avec Ajouter au-dessus, Ajouter au-dessous. Donc ce menu-là, il va nous permettre de rajouter une ligne à la portée. Donc par exemple sur Voice, donc si on veut une ligne en plus de voix et pas qu'une seule ligne de clé de sol, eh bien on rajoute, donc ajouter au-dessus, et donc il y aura une nouvelle ligne de clé de sol qui va apparaître. Donc si j'en ai pas envie au final, hop, je fais supprimer, et voilà pour cette partie. Ensuite je fais suivant, donc on choisit notre armature, donc les clés. Donc moi je vais prendre une armure vierge, donc on la choisit bien sûr en fonction de la tonalité du morceau que vous avez composé. Si vous ne savez pas dans quelle tonalité vous avez composé votre morceau, eh bien je vous invite à regarder mon tutoriel qui s'appelle comment trouver la tonalité d'un morceau en cliquant sur le lien qui apparaît actuellement à votre écran. Donc je choisis mon armure vierge, je fais suivant. Enfin je choisis mon indication de mesure, donc ouais, allez on va pour du 4/4.
32 mesures, c'est très bien. À la cruise, on en tient par rigueur et on fait terminer. Et voilà, et vous voyez ici qu'on retrouve exactement toutes les fonctions que je viens de vous décrire. Donc on voit le titre, l'auteur, du 4-4, la clé de sol avec la voix, le piano avec la clé de sol, la clé de fa, enfin vraiment tout ce que j'avais envie. Au pied, on voit le composer sa musique, le copyright, bref, vraiment parfait. Et également, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut hop, choisir vraiment la façon dont on voit la partition. Donc moi, je vais prendre du 75%, on a une plus grande visibilité. C'est exactement les mêmes fonctions que Microsoft Word. Alors, voilà ce qu'on obtient. Maintenant, je vais vous présenter rapidement les menus qu'on peut trouver sur MuseScore. Donc, il y en a deux principaux. Ici, la palette et là, la barre des tâches que l'on voit au-dessus. Donc, la palette, c'est quoi? C'est vraiment un raccourci, en fait, hein, des menus qu'on peut trouver ici au-dessus. Et le menu d'ici, alors lui, il est très important et je vais y revenir en détail après. Mais en gros, c'est grâce à ce menu-là qu'on va pouvoir choisir nos notes, choisir nos rythmes et vraiment inscrire notre partition. Il y a une dernière chose qui est importante et qui a souligné sur MuseScore, c'est la possibilité d'écouter votre partition, ce que vous avez fait. Vous voyez ici le petit play, donc si vous cliquez sur play, eh bien ça va jouer la partition que vous avez créée. Alors ne perdons pas plus de temps et voyons tout de suite comment rentrer les notes sur votre partition. Alors pour ce faire, on va donc cliquer à l'endroit où on veut rajouter des notes, donc ici hop sur la pause. Donc vous voyez que lorsque c'est cliqué, elle devient bleue. Et ensuite, vous appuyez sur la touche N de votre clavier. Donc N comme ici. Donc on appuie sur N, hop, et vous voyez donc grâce à la petite barre bleue qui apparaît qu'on est en mode bah, écriture donc de notes. Donc bah, vous voyez que vous pouvez choisir où placer de placer la note où vous voulez. Et vous pouvez choisir le rythme que vous voulez dans ce menu-là. Donc si on veut une blanche, un la blanche, donc on sélectionne la blanche, on est en mode je rentre et on clique sur le la. Voilà, là. Si on veut des noirs, on choisit la noire, sol, la, si, do. Voilà, tout simplement, hein. En fait, il suffit de cliquer sur N, de choisir la note, le rythme que l'on veut, et ensuite, eh bien, de cliquer à l'endroit où vous voulez déposer la note. Alors peut-être que ça va être pour vous, vous allez penser que c'est long et fastidieux de rentrer les notes une à une à la souris, et je vous comprends. Donc c'est pour ça qu'il existe sur MuseScore des raccourcis clavier. Alors le nom des notes, ça correspond à leur notation américaine. Donc par exemple, sol en américain, c'est G. Donc sur votre clavier, vous allez cliquer sur donc, la touche G pour avoir un sol. Voilà. Donc le La c'est A, donc pour avoir un La on fait A. Le B c'est Si, donc on met B si on veut avoir un Si. Voilà, tout simplement. Donc je vous ai mis, si vous ne vous rappelez plus trop de la notation américaine des notes, je vous ai mis sur mon article de Composer sa musique, vous pouvez retrouver tous les raccourcis clavier de MuseScore. Et donc pour choisir le rythme, vous n'êtes pas obligé non plus de cliquer. Chaque rythme correspond à un numéro de votre pavé numérique. Donc ça commence avec le 1, qui correspond à la quadruple croche. Donc je clique sur le 1, voilà. Donc vous voyez que directement ça a été la quadruple croche qui a été sélectionnée. Et bien si je veux un fa, donc un fa en quadruple croche, donc j'appuie sur le 1 qui sélectionne la quadruple croche. J'appuie sur le F puisque en notation américaine le F c'est un fa. Et vous voyez que c'est un fa quadruple croche qui arrive. Triple croche c'est le 2. Hop, donc 2 en triple croche. Double croche, c'est le 3, donc 3, hop, une double croche maintenant, donc vous voyez, quadruple, triple, double, croche le 4, etc., etc., jusqu'à la ronde qui est le 7. Donc, regarde, par exemple, ici, je vais mettre une ronde, donc j'appuie sur 7, je veux un mi, donc E, hop, voilà. Oups, je me suis trompé. Donc, vous voyez que j'ai fait un ré au lieu d'un mi, donc je fais supre dans ces cas-là si je me suis trompé. Et donc, hop, je clique sur E. Voilà. Donc là, j'ai un mi. Donc, pour récapituler ce qu'on a vu. Donc, pour écrire, pour rentrer en mode écriture de notes, il faut cliquer sur le N. Ensuite, on a deux choix. Donc, soit à la souris. Donc, on sélectionne le rythme que l'on veut
Et on choisit la note grâce à notre. Voilà, on choisit où est-ce qu'on veut inscrire la note. Ou alors grâce au raccourci clavier, avec la notation américaine pour les notes et le pavé numérique de 1 à 7 pour les rythmes, en commençant par le 1 qui correspond à la quadruple croche, pour finir au 7 qui correspond à la ronde. Voilà, et pour effacer, si vous avez fait une faute sur une note, eh bien vous cliquez sur la touche supr. Alors maintenant, on va voir comment faire des copier-coller. Donc admettons que ce passage-là que je viens de faire, eh bien c'est exactement ce que vous voulez, vous avez envie de le répéter. Alors pour faire un copier-coller, c'est simple. Donc si on veut, admettons, sélectionner tout ce passage-là, on va commencer déjà par cliquer par choisir la première mesure. Donc pour ce faire, on va cliquer ici, juste avant la barre. Voilà. Donc entre la barre de mesure et la partition. Il y a ce carré bleu qui nous indique qu'on a choisi de sélectionner toute cette mesure. Et ensuite, vous maintenez la touche Shift. Donc on maintient Shift et on clique encore une fois au même endroit jusqu'à l'endroit où on veut sélectionner. Donc par exemple, si je veux jusqu'à la troisième mesure, je clique ici. Oups, j'ai raté. Donc je refais. Hop, je maintiens Shift, je clique. Voilà. Hop. Shift, ou alors si je veux les quatre mesures, et eh bien je rappuie ici et vous voyez que c'est sélectionné. Et après, c'est du classique. On fait CTRL-C, on se place là où on a envie que notre séquence soit copiée et on fait CTRL-V. Et voilà, hop, vous voyez que ma séquence a été bien copiée, exactement comme vous l'avez voulu. Si vous voulez par exemple également choisir des notes une à une et pas forcément un bloc de notes, eh bien c'est exactement comme les raccourcis classiques. Donc vous sélectionnez la note au clic, ensuite vous maintenez CTRL et vous choisissez vraiment les notes que vous avez envie de sélectionner. Donc voilà pour les raccourcis clavier et pour les principales fonctionnalités pour inscrire des notes sur votre partition. Ah oui, j'ai oublié une chose. Si vous voulez créer des accords, par exemple, donc sur notre piano, tiens, on a envie de faire des accords. Donc, eh bien, c'est très simple, hein. En fait, on va noter la note exactement comme tout à l'heure, sauf que au lieu de la mettre à côté, comme on faisait, eh bien, on va la mettre au-dessus. Voilà, hop, et on a notre accord qui a été défini. C'est aussi simple que ça. Alors, rappelez-vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est génial aussi avec MuseScore, c'est que vous pouvez écouter ce que vous avez écrit. Alors là, ça va ressembler sensiblement à rien parce que j'ai noté n'importe quoi depuis tout à l'heure pour vous montrer les fonctionnalités, mais si vraiment vous avez envie d'écouter ce que vous avez fait, vous cliquez sur démarrer et là vous voyez que le morceau est joué, tout simplement. Maintenant on va voir comment inscrire des paroles. Donc vous venez de finir la musique, les notes, et maintenant vous avez envie de créer des paroles. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On va cliquer sur la note sous laquelle vous avez envie d'instaurer vos paroles. Donc par exemple ici sous le do. Et ensuite, pour ajouter du texte, vous allez faire CTRL plus L. Voilà. Et vous voyez qu'il y a la fenêtre de texte qui va apparaître. Et là, eh bien, vous tapez votre texte que vous avez envie. Pour passer à la note suivante, il suffit d'appuyer sur espace. La parole très originale, je vous l'accorde. Donc voilà, tout simplement. Et si vous voulez bah, faire un seul mot mais en plusieurs notes, eh bien, c'est comme la parole classique, hein. Vous cliquez sur le tiret du 6. Con, au, tiret du 6. Z, au lieu d'espace, on clique sur le tiret du 6. Ça passe également à la note suivante. Ça, musique, etc. Donc voilà pour ce qui est des paroles. Donc je récapitule. On clique sur donc on est plus en, faut plus être en mode faut plus être en mode notation de notes, c'est pour ça que j'ai cliqué sur le N juste avant. On clique sur la note où on a envie d'installer notre parole, on fait CTRL L, donc on écrit la parole que l'on veut. Si on veut passer au mot suivant sans espace, puisque c'est des paroles distinctes, on appuie sur la touche espace. Et si on a envie de passer à la note suivante, mais en continuant notre mot puisqu'il n'est pas fini, eh bien, on clique sur le tiret du 6. Voilà. Alors maintenant, on va voir enfin les symboles d'une partition pour habiller un petit peu notre partition. Donc, je vous ai montré comment écrire les notes, comment écrire les paroles. Et maintenant, on va voir comment donc insérer les symboles les plus courants d'une partition. Alors, on va commencer tout de suite avec les nuances. Donc, pour ce faire, on va se rendre dans la palette, le menu de gauche.
on va cliquer sur nuance et on va choisir donc la nuance que l'on veut en cliquant, glissant tout simplement la nuance vers la partition. Alors, si je veux du forte, hop, je mets du forte là. Si après je vois que ce soit mezzo piano, je clique glisse et je mets du mezzo piano. Bref, vous avez compris le principe. Alors ensuite, un symbole qui revient souvent également, c'est le crescendo et décrescendo, donc également encore dans les nuances. Donc pour ce faire, on va toujours aller dans la palette, on va cliquer sur ligne, et donc vous voyez ici qu'il y a les deux signes du crescendo et du décrescendo. Vous avez également les signes de la pédale aussi, qui est important, qui revient assez souvent, et du tri. Donc on prend notre décrescendo par exemple, et on le met à l'endroit où on veut. Alors si par exemple vous voulez que votre décrescendo soit plus grand et pas seulement réservé à la mesure si, donc vous double-cliquez dessus et vous voyez qu'il y a deux petits carrés qui vont apparaître, donc ça c'est le mode édition. Et donc si vous voulez l'allonger pour qu'il soit long de deux mesures, eh bien vous allez appuyer tout simplement sur la flèche droite de votre pavé numérique et vous choisissez vraiment la taille que vous avez envie pour votre décrescendo. Voilà, c'est aussi simple que ça. Enfin, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Oui, la liaison également. Donc pour la liaison, c'est très simple. Vous cliquez et vous sélectionnez les notes entre lesquelles vous voulez votre liaison. Par exemple, moi je veux une liaison entre mon sol et mon la qui est si. Donc je sélectionne le sol en cliquant dessus. Je maintiens contrôle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je clique sur le la pour sélectionner les deux notes. Et ensuite, si je veux une liaison entre ces deux notes, je vais tout simplement appuyer sur la touche S. J'appuie sur S et hop, vous voyez que la liaison arrive entre mes deux notes. Et enfin, la dernière chose que je peux vous montrer et qui peut vous être utile, c'est les répétitions et les doubles barres. Alors, pour ce faire, encore une fois, comme je vous ai dit, on se rend dans le menu de gauche. Je vous ai dit qu'il était très pratique et qui permettait de nombreux raccourcis, donc vous voyez pourquoi je vous ai dit ça tout à l'heure. Donc on se rend dans barre de mesure, et là vous voyez qu'on peut sélectionner vraiment la barre de mesure que l'on veut. Donc si je veux ma barre de fin ici, hop, je la prends, cliquer glisser encore, et hop, j'insère ma double barre à la fin. Et bien voilà, je pense que j'ai couvert vraiment les fonctionnalités principales qui du moins vous permettront de commencer à écrire vos premières partitions. Après, pour toutes les petites spécificités, ben, je vous invite à vraiment fouiller par vous-même MuseScore, regarder les menus et tâtonner par vous-même. Mais en tout cas, si vous appliquez déjà ce que je vous ai montré au sein de ce tutoriel, vous pourrez être capable de retranscrire bien 90% des partitions qui existent déjà. Après, comme je vous ai dit, c'est juste une affaire de pratique, encore et encore, et de prise en main du logiciel. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Moi, en tout cas, je vous donne rendez-vous sur le site composersamusique.fr pour d'autres tutoriels et pour d'autres articles écrits, et pour également retrouver par écrit l'ensemble des indications que je vous ai données au sein des tutoriels, donc tous les raccourcis clavier, tous les menus que j'ai montrés par vidéo. Si vous voulez le voir plus rapidement, eh bien, je vous invite à regarder l'article sur www.composersamusique.fr. Je vous invite également à liker la page Facebook du site internet si vous appréciez mon travail et mes tutoriels. Et enfin, vous abonner sur ma chaîne YouTube pour recevoir en exclusivité tous les nouveaux tutoriels que je peux faire dédiés à la musique et à la composition musicale. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao !